Ouais, je m'appelle Salim Ben Seguir, j'ai 19 ans. Je suis originaire du Var. À mes 13 ans, j'ai rejoint l'OGC Nice. J'ai fait toute ma formation à l'OGC Nice pendant 5 ans. Ensuite, j'ai signé à l'Olympique de Marseille. J'ai fait 1 an et demi et là, c'est cet hiver, j'ai décidé de me faire prêter. C'est quoi? Bien sûr, c'est gagner aussi en temps de jeu, c'est plus important pour moi. J'ai pas été beaucoup utilisé, j'ai beaucoup enchaîné les groupes, mais avec très peu de minutes et je pense que je suis à un âge où il faut que je joue et je pense que c'était la bonne solution et le bon projet ici pour pouvoir m'épanouir. Du coup? Franchement, mon expérience à Marseille, déjà le haut niveau, parce que je pense que Marseille c'est une équipe de très haut niveau de Ligue 1, il y a beaucoup d'intensité, je me suis entraîné avec des grands joueurs quand même et je pense que tout ce que j'ai appris, je vais m'en servir pour pouvoir apporter mes qualités à l'équipe et pour pouvoir être bon sur le terrain. Non, franchement, la Ligue 2, je m'intéresse beaucoup au foot. Je regarde beaucoup, j'ai souvent regardé les matchs de Ligue 2, j'ai déjà regardé Valenciennes, j'ai déjà regardé beaucoup de matchs. Et non, franchement, ça m'intéresse et je sais que la Ligue 2 est un bon championnat pour le développement des jeunes. Et voilà. Je peux jouer ailier gauche comme milieu offensif. Je suis un joueur percutant, assez vif, avec une bonne intelligence de jeu et une belle qualité de passe et de frappe. Et voilà, j'espère pouvoir marquer des buts, faire des passes décisives et aider l'équipe à gagner. Moi, ça s'est fait très rapidement. C'est vrai qu'au début, j'étais en contact avec d'autres clubs. Ensuite, j'étais en contact avec Sébastien Tambouré qui m'a convaincu de venir ici, du projet, du développement des jeunes. Et voilà, et j'ai tout de suite adhéré. C'est pour ça que je suis là. Ça s'est fait très rapidement, très naturellement. J'ai parlé avec le coach et ça s'est fait naturellement. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Non, franchement, le projet de jeu, la confiance donnée aux jeunes. Voilà, franchement, le coach, il m'a convaincu, son projet de jeu, tout. Franchement, la mentalité, le développement, ce qui est mis en place au club. Non. Déjà, tout d'abord, collectivement, remonter au classement. On a essayé d'aider le collectif en étant décisif. Et ensuite, d'un point de vue personnel, d'enchaîner les bonnes performances, les buts et d'avoir des statistiques tout simplement. Non, c'est vrai que je suis arrivé tard dans la nuit. Mais là, j'ai fait mon premier entraînement avec le groupe. Franchement, c'est un bon groupe, assez jeune, avec une bonne ambiance. Et franchement, on a bien travaillé, on a bien préparé le match. Et voilà. Du coup? Ça, je pense que c'est le coach qui va en décider. Je suis apte à être dans le groupe et à pouvoir participer à la rencontre. Mais je pense que malgré que j'ai pas beaucoup joué et que j'ai pas beaucoup de temps de jeu, je suis quand même en forme, j'ai du rythme. Et j'espère pouvoir jouer. On se parle souvent, toujours on s'appelle. En plus, ce week-end, il joue contre Marseille. Donc on s'appelle souvent, on se motive tous les deux, on se challenge. Et franchement, entre nous, il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien du tout. On se pousse vers le haut tous les deux. Et c'est ça qui est bien. C'est quoi? Oui, j'en ai. J'en ai, c'est vrai, j'ai des modèles. Mais après, franchement, je regarde un peu. Je m'inspire de tout le monde, j'apprends de tout le monde. Aux entraînements des plus anciens, même comme des plus jeunes. Et voilà. C'était qui tes sources d'inspiration à Marseille alors? À Marseille, il y avait des grands joueurs à mon poste. Il y avait Dimitri Payet, Amine Harit, Sengizender à mon poste. Il y avait Alexis Sanchez aussi. Franchement, il y avait des joueurs à mon poste et je m'inspirais d'eux. J'étais beaucoup à l'écoute, ils me parlaient beaucoup. Et voilà.